Oui, je suis mort au début de Sigma 2. Je suis tombé dans le trou. Ah oui, J'enlève le bandeau, Anthven magnifique sur notre écran. bandeau de race. Tu races avec ton bandeau en gros pendant tout le jeu. Allez, c'est parti. Oh merde. C'est foutu, ça me saoule, hein, putain. Merde, putain, j'ai appuyé sur mon timer sans faire exprès. C'est que du caca quoi. En plus c'est grave. Je sais pas comment les gens font pour ne pas s'arrêter sur le premier round. Hein, c'est le troisième. Oh, ça se fait. Faut juste. C'est le troisième le problème. Mais le deuxième, t'as pas besoin de s'arrêter non plus. Très mauvais en match. En fait, dans tous les jeux, c'est très mauvais en match. Là, je me suis raté, mais normalement, il y a des. T'as des repères visuels pour balancer tes trucs. Oh là là, j'ai. J'entends que le champ est déjà devant moi. Par contre, faut s'arrêter de mâcher, hein. Faut pas mâcher pendant toute la run en continu. Un droit où faut et un droit où faut pas. Putain, il va y avoir des bras en décomposition. Non mais. Ah, t'inquiète pas, je crois qu'ils sont tous célibataires donc. Oh, des bras. On sent la force dans le poignet. Ah, le mashing c'est beaucoup dans l'avant-bras. Hein. Je suis mort. Ah merde, j'ai sauté. C'est pas grave, tu vas quand même piquer. Sauter dans un petit trou. Je sais pas où se reprendre. Mais j'ai pas le son, ça me fait chier ça. Ouais, j'ai chier ça. Non, je veux pas de pavis. Ah, je crois qu'on est au même endroit, dis. Oh merde. Là, je suis aux voitures. Putain, j'y arrive pas, ça me saoule. Je viens de passer la dernière voiture là. Ouais, j'ai un tout petit peu devant moi. Deuxième. Un tout petit peu derrière moi. Non, il me fallait que je prenne un hit de plus. Mega Man X, mais belle blague. Là, tu fais une blague. Par contre, je suis très mal placé sur par rapport au vaisseau. Moi, il faut que tu me prennes une voiture sur la face. Bon, bah, pas grave, alors tu prends pas de voiture sur la face. Tu fais les réductions de lag sur l'intro KFR? J'en pète 4 ou 5. Au niveau du pont ou au niveau des ennemis du début là? Il y a aussi sur les ennemis du début? Ouais, mais ça c'est ça se joue au dixième. Ouais, fait perdre, ça fait bon, c'est bon, le vaisseau est arrêté. J'ai pas trop compris ce qu'il vient de faire. Mais oui, sur les points, ouais, je le fais. Ouais, bon, ouais, c'est juste des plateformes à caisser en moins, je crois. Ouais, c'est ça. Et même la dernière, si tu sautes bien, on t'entend pas. Tu rebondis dessus, mais tu. Oui, toi, on t'entend, on t'entend. Mais pourquoi mon chat, il m'entend pas alors? T'aurais pas oublié de mettre ton micro sur OBS? Non! Ah, moi que ça utilise ma caméra parce que ce truc c'est bon. Quelqu'un peut me dire pourquoi il y a une voiture en un seul tir bleu, elle a explosé complètement. Ça arrive. Oui, ça arrive. T'as joué super. C'était une voiture de mauvaise qualité. Bah ouais, tu vois ça. C'était une Lada. J'ai pas trouvé. C'était gros quand même. Pire, c'était une Dacia. Ouais, ça parle mal des voitures. Pire, c'était une Prius. Mais qui. Qui met le volume de ce micro à pas fort comme ça? C'est quoi? C'est quoi le délire? C'est pas un grand sucre pour un boss? Yep. Ouais. Tu peux faire. Tu peux faire Octopus comme CNN, mais c'est pas très conseillé. Mais tu l'as. Du coup, tu l'as tué ou tu t'es suicidé à la fin? Non, non, non. Ah oui, c'est le pire pour se suicider. Tu manges les tortues quand tu te suicides, c'est ça? En fait, t'as des pics un peu après les tortues, je crois. Mais d'ailleurs, c'est loin quand même. J'aurais dû. C'est pas le dash. Ouais. Tuer le. Ouais, le premier camion, j'aurais dû le tuer parce qu'à chaque fois je me le prenais, ça me faisait perdre du temps pour rien. Putain, mais j'étais tellement méchant. Je suis pas décidé aussi vite que j'aurais pu. Avec quoi, j'ai beaucoup de raids, c'est même du suicide. Ah, mais non! Là, mais c'est gentil, il est mort trois fois à Eagle pour me laisser rentrer quand même. C'est sympa de faire ça. Oh la merde, putain. Ah yes, j'ai réussi, les slope jump au moins. Ça fait plaisir. Bon, j'arrive au dash. Pareil. Putain, non, j'arrive pas, oh là là. Mais j'ai pris 20 secondes de setup, alors. Dans ma tête, je suis devant toi. Mais là, du coup, ouais, je vais perdre 20 secondes à pingouin. C'est pas grave. Ah, pardon, la race, du coup, il y a KFR, CNN, Twin, Tifa et moi. J'arrive à pingouin. Pareil. Pareil. Gnie.
Ouah, j'avoue qu'il est trop mauvais en ce moment, il est fatigué ou quoi? Qu'est-ce que vous lui avez fait? Mais c'est qu'il a joué à Heavy Rain pendant 2 jours. Ah mais oui, putain, c'est de la merde. Mais pourquoi tu t'es fait ça? Tout le monde sait que c'est de la merde. Mais je sais, mais c'est J'ai fait un pari, j'ai perdu. Ça s'appelle Lego et voilà. Mais non, c'est pour une émission sur laquelle je bosse et vu qu'on traite de la narration dans le jeu vidéo, on était obligé de parler de ce jeu. T'étais obligé de platiner le jeu vidéo. Non, mais du coup, non. Voilà, raconte-nous comment du coup, c'est juste qu'on a perdu toutes les fins, enfin toutes les espèces de pseudo-fins merde pour pouvoir en parler bien comme il faut. Et après, il nous manquait genre 2-3 options à faire, donc on les a mis histoire d'avoir un platine. D'accord, t'as fait un truc nul et ensuite tu t'es dit je vais en faire plus par plaisir. D'accord. Oui, c'est ça. Putain, pas okay. Moi, le pire pingouin du monde, je finis à un PV alors que tu as tué. Il m'a fait le mind game. Il me restait un PV aussi. C'est pas grave. J'ai 20 secondes de pingouin, j'aurais gueule de là. Tu ranges. Je pense que le PB, même en ayant. Mais non, mais je suis trop con. Pourquoi j'y suis allé direct là? Oh là là. C'est bon. Ouais, il y a des nouveaux outils de race. Où ça? On arrête plus de faire des conneries. Hein. Bah, sur le site, du coup, on passe plus par SRL, mais là, on passe par SRL. Et en plus, si t'as Franker Fazy, tu peux voir directement qui participe à la race. Il y a Twin qui vient de commencer à streamer. Il y a Twitch qui vient de m'envoyer un mail pour me dire. Je sais pas si vous connaissez, mais... Les mails, si, on sait ce que c'est. Ouah, tu sais quoi, les mails? Ouah... Ah, mais il m'emmerde, là, ce pingouin, là. Non, mail. N'importe quoi. Bon, allez, je vais apprendre le chapitre de la Big Planet, je reviens. Eh, tu viens, arrête. Ok. Au revoir. Il est mort de même, parce qu'il a dit, il a fait une blague. C'est ça qui est mignon avec ça, c'est plus grand chose. Vraiment pas bon. Oui. Non, mais elles sont pas mal les blagues de Tifa, c'est ça le pire. Des fois c'est un peu. Enfin voilà, mais. C'est bien trouvé, en général c'est bien trouvé. Oh, mais non. C'est pas forcément drôle, mais c'est bien trouvé. Bah, et c'est souvent des jeux de mots et des calembours. Mais ouais, hein, c'est coup, ça, moi j'aime bien. Je suis assez fan. What ouais. Souvent bon, je commence l'ascension. Banger. Merde. Bah, si je peux faire un gold là. Castlevania, c'est dès que t'as récupéré l'orbe. Ouais. De toute façon, on y est pas encore, hein. Non, mais tu as raison, pose-toi les questions qui comptent, hein. Même si tu y es pas encore. C'est important. Ouais, ouais. C'est en fait pour fixer un peu un minimum d'espoir, quoi. Ouais, c'est ça. Tu vas y arriver un jour, donc autant savoir maintenant. Oh, enfin, moi, un jour, quand j'aurai 70 balais, peut-être. Ça, on peut en reparler. Ah, bon, il arrive à coup longueur, mais j'ai moins de la moitié de mes PV parce que j'ai fait de la merde à l'ascension. Tu seras comme les vieux qui sont tout contents d'avoir leur bac. Ah, j'ai fini. J'ai quand même encore jamais vu le stage 6, hein. Oh merde, putain, j'avais oublié que le double clic sur le D-pad ça peut faire des dashs non désirés. Ouais, c'est dangereux ça. Bon, là ça se passe pas trop mal, je vais finir avant non, je 4 minutes. Sur hein. Est-ce que je peux ouais, sur coup hanger. J'ai c'est la question. Non. Mais j'ai glissé en plus, mais genre j'ai sauté sur un mur, je vais faire un wall jump et je suis tombé du mur. Bah, moi j'ai cru que j'étais en phase 2. Il commence deux, par en fait, les TP. Ah, ça c'est toujours agréable. La mort. Ça. Mais ça c'est des conneries, phase 2 et machin. Moi il se TP alors que je l'ai pas touché encore. Il fait mais n'importe c'est... quoi. Mais non, mais c'est comme le coup des bots. T'inquiète pas, les bots dans les 4 Dead n'aggro pas les niches. D'accord. Oui, il y a Cladal qui disait ça au début. Wow. C'est impossible, les bots n'aggroeront jamais les niches. Ouais. Bon, c'est bon, j'ai battu Kouang. C'était les vrais conseils de Cladal. Mais arrête, Cladol c'est mon copain d'enfance, jamais tu dis du mal de lui, oh. Mais je dis pas du mal, il s'est trompé, oh. Moi j'aime mais pas ça, les gens qui disent du mal. Moi j'ai pas beaucoup de points de vie, ça va être un peu l'enfer. C'était ma technique. Envoyez Kouhanger, ça va pousser dans ma face, et comme ça je vais être plus safe. Oh, je suis remort sur Kouhanger, putain, mais c'est... Non, ça par contre c'est bête. Mais je vois que la pique mettre le c'est pas mal. Never happened before.
Bah moi c'est la première fois que je meurs en race sur Kohanger. Après c'est pas la première fois que je meurs sur Kohanger non plus. Juste en race c'est la première fois. Mais j'ai pas le son, c'est le son aussi. On va dire que c'est la photo son. Ah ouais c'est parce que t'as pas le son. Impossible de jouer à Mega Man sans son. On y est. Faudrait avoir quelqu'un qui fait la musique. Copé, oui, c'est le meilleur strat. Je te fais vachement bien de la téléportation de Kohanger. J'avoue que j'ai appris un petit peu à ma sauce, quoi. Je l'ai appris pendant le boulot le jeu donc. Une troisième mort sur Kohanger. Sérieux? Non, mais c'est là, ouais, mais là tu le fais exprès. Ouais, mais je sais pas. Là, mais faut le tuer! Les gens qui se montrent de la compassion pour la première main, envoyer son grappin dans la tête au moment où je sais, on avait déjà vu. Mais ok, mais après, tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Wouah. Voilà, je mets le sang, je tue Kohanger. Allo, les poissons rouges? Mais non, je saute trop tôt. Allez, je reste à direct. Oui, allo, le. Allo, je t'appelle déjà. Je sais plus ce qu'il dit. Ça passe, le 15. Le responsable des poissons rouges. Allo, le responsable. Ouais, Kohanger mort, un bon minute, ouais. T'as un piggy pace là, non? C'est combien de coups de boomerang sur l'armure? 17 max. Merci. Ok, je vais prendre l'escalier. J'ai pris la technique de Tiffy. Ouais, mais finalement, je suis repassé sur les 17. Ah bah, moi j'aime bien. Voilà. Ouais, je vais devoir prendre l'escalier. C'est la galère. Parce qu'au final, je me suis rendu compte que c'était chiant de toucher l'autre avec la glace. Moi je le fais au buster. Ah, tu finissais la glace? Toi, ouais. Normalement, tu finis au buster chargé, mais enfin au buster dégâché. Mais... peut-être pour ça que je galère. Ouais, moi je fais ça. Et... mais après, je prie aussi pas mal pour avoir des drops sur. Mais là, j'en ai pas vu, donc je dois le finir au buster. Putain. Ouais, mais ça, ils arrivent jamais. J'ai jamais vu de drop d'armes dans cette section. Ah, j'en ai eu plein. Hein, ça, ouais. ça m'arrive une fois sur le jeu. Putain, c'est fou. Je perds déjà du temps. La mort à pingouin et les 20 secondes de setup, elles ont fait mal. T'en es où, toi? Au couloir sous l'armure après avoir récupéré l'armure. Oh, je suis une minute derrière. Tu viens de finir par contre, là, il m'emmerde. Ouais. Quand il fait ses pingouins, c'est pas le pattern de disparition, là, franchement. Ah, bah oui, c'est ça le problème, on est d'accord. Non, mais depuis que. Tu fais ça, à chaque fois il restait sur le mur et il faisait rien donc. Bah oui, s'il fait ça, c'est super bien que des 18. Mais moi, comme j'ai jamais que eu des disparitions, je croyais qu'il avait pas d'autre pattern le truc. Bon, je commence, c'est gueule. Nice. J'arrive au camion. J'ai un souci avec mes splits quand je vois Medusa à 2,43. Gueule est mort. Oh. Ah. Peut-être t'as tué Eagle à 13 minutes. Oh. Bon, je regarde vos runs pour comprendre ce que vous faites. Là, je fais pas des strats d'oreille, je fais les strats de Big Ring. Ok, pas en tournoi. Du coup, j'ai pas pris le sub tank ni. Déjà, si tu pètes Eagle à 13 minutes, tu me mets 20 secondes sur mon pipi. C'est au moment où il est mort, c'est pas au moment où je split des thunes. Ah. Moi, je split à l'écran noir. Du coup, je suis à 13-14 sur mon. Ouais, mais tu split quand même après moi. Moi, je split au moment où Megaman lève la main. Il lève le bras. Ouais, pareil. Quand ça fait cling. Ça fait cling. Ouais, tu dois être à 14. À 13-10, pardon, un truc comme ça. Tu mets quand même 10 secondes. Mon Billy, je suis 14-05, donc sur les gars. Je suis 14-06. Et voilà, si vous faites plateforme de Hugo, ça va pas faire d'enfant. Attends, mais t'étais derrière moi, camion. Ah oui, mais t'as pas pris l'arme. Tu fais des sous tout le temps. Et tu m'as rattrapé? C'est pas là, j'arrive à Hugo, je vais. Je monte le, tu sais, le grand truc là pour aller chercher le sub-tank. Ok, Eagle est mort. Ouais. Ah, j'ai trop de retard sur tout le monde. Merde.
Ou celui-là je le récupère pas. Tu prends quand même un sub tank. Ouais. Oh. Tifa, non, zéro sub tank. Si, t'en prends. Non. Mais si, tu en prends. Ah non, mais viens tout à l'heure, tu nous as dit que si. Je prends un e tank, mais pas un sub tank. Tu prends un cœur et pas ouais, un sub tank. Je prends un cœur, voilà. Pendulum, c'est. Ah, c'est le contraire tout à l'heure. Hein. Ah non, ça n'a aucun sens. Enfin, je. J'ai l'impression en tout cas que je vais prendre un e-tank que ça un sub tank. Allez, on prend l'escalier. Moi, Yul, il m'a jamais pas fait cliquer, c'est pareil, c'est un mythe. Ça n'existe pas, les petits. On dit une mythe. Pardon. Ouais. Ah putain, ça passe. Pour ton attitude. Wouah, je suis une mythe. T'as une attitude de mythe. Je sais pas ce que ça veut dire, par contre. Bon, j'ai pas de... Je sais pas, mais je suis un peu triste quand même. Le Metroid. Ah, je sais Metro-mit. Pas pourquoi les gens l'appellent comme ça. Ah, parce que vous faites pas mammouth là en fait. Moi je le fais à la fin. Je le fais après Mandrill. Pareil. Et moi c'est marrant, je le fais juste avant. Je sais pas pourquoi. Bah, je vais faire l'asso sur A. Oh non! Tout bien. Ouais, il est mort. Non. Ouais, sûrement. Non, qu'est-ce que je fous? Je suis désolé. Ouais, c'est mieux. Cette partie-là, c'est mieux. Tu l'apprends du coup, comment Castlevania? Tu fais de l'entraînement niveau bout par bout, niveau par niveau? Niveau par niveau, j'ai fait un petit peu à la save state avant de streamer vite fait, à 2-3 okay. trucs, mais c'était juste pour les premiers niveaux. J'ai jamais touché au strat des niveaux 4, 5 et 6, donc j'y connais rien. Pour okay. Là, pour le moment, c'est dégueulasse, mais on va voir à terme ce que ça va donner. Moi ça ne peut que s'améliorer. Bah de toute façon je vais tout du long je vais me chercher à faire des backups donc d'habitude. Voilà. Tant pour l'UD2 quoi. Est-ce que tu pourrais arrêter de faire des roulés-boulés s'il te plaît? Non. 20 secondes de roulés-boulés. Moi j'ai dû le tuer en roulés-boulés. C'est vrai? Ouais, enfin il avait fait un roulé-boulé et après au milieu de sa barre de vie il s'est remis en roulé-boulé, il s'est pas arrêté jusqu'à la fin de sa vie. Allez, on confond pas Mandrill et Armadillo, même s'il y a plein de lettres en commun. Y'a un A. Bah non, y'a le D. Et le M. Et le R. Enfin, c'est quasiment toutes les lettres. Hein. Il manque le O et y'a le N quoi. Alors ça, le stage 4, il me fait absolument pas peur. Maintenant. Y'a deux ah, L, y'a D, y'a M. Bah ouais. T'as une ou deux. Et coïncidence, je ne t'ai pas. Monsieur, monsieur sexy. Ouais. Et déjà, rien que le mot, il est dur. Ouais, c'est quand même un mot de merde quand t'as du mal à prononcer. Hein. Bah, c'est ça. Oh oui, GG. Ah pas de peur. Comment ça se fait qu'il y a déjà une chauve-souris? J'ai failli oublier une phase de son. Ah oui, ça va être full red speed de toute façon. Je suis pas. Enfin, je suis mort à point gros. Oh merde. Ça va être compliqué. Hein. Enfin, je sais que les gens ils sautent par-dessus les poissons. Donc... Quel enfoiré. Putain, mais qu'est-ce que tu fous? Bon, j'ai battu ma mousse. Ouais. Attention les piques, Jean Tifa. Voilà. Oh là là, mais non. C'est pas mal. C'était pas loin. Du coup, il se fait tout. Fais toujours peur, Octopus. Wouah, good. Wouah, reset. Reset quand tu fais un goal, ouais. Je commence à Armadillo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3.
1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ah, toi, Tifa, tu n'utilises pas le safe spot chez. Enfin, de Mammoth pour le faire. Le safe spot de Mammoth? Oui, tu mets sous son bras qui tire la flamme. Ah, ah bon? Ouais, faut pas mourir quand même. Ouais, non, mais c'est pas ça, c'est genre quand tu la prends pour la deuxième fois, c'est un peu chiant de. Ouais, se prendre trop de hits dessus. Ouais, en effet, si tu prends pas le premier cycle, c'est chaud. Hein. Mais de toute façon, il va falloir que j'apprenne les backups. Hein. Mais pour le moment, c'est le PB, après on s'en fout. Mais il me faut des points pour remonter dans le top 30. Quoi. Dans le top 30 cake. T'es à combien 35, mais il me suffit de ce jeu pour te passer top 30. Et si je fais Lovely Planet, ça sera top 20, je pense, un truc comme ça. Ah, oh, je perds tellement de temps sur le top. Je sais pas ce qui est plus opti, lui casser les tentacules ou pas. Moi, je l'ai pas. Le record du monde, les gars. Il le fait. Ouais. Ah ouais, j'ai vu des temps qu'il le faisait pas, mais genre des 31 et tout, donc... Pour ça, j'ai KFR, il faisait pas aussi... Je sais pas ce qui est plus opti. Sachant qu'il peut faire son truc... Ouais, merci, je sais qui. Il doit y avoir le RNG ou des patterns aussi. Si le record du monde le fait, c'est que c'est pas beaucoup plus lent. Bah, je pense que le record du monde, il a aussi dosé pour avoir... pour pas risquer d'avoir trop la meilleure RNG possible, des trucs comme ça, tu vois. Peut-être que c'est plus rapide avec, mais tu perds du temps s'il le fait, s'il fait le tourbillon par exemple, etc. Mais après copier le record du monde en général, c'est pas une mauvaise idée. Armario. Bon, arrête tes roulés-boulés. Tac. Ouh. Pas, oh, merci. Ouh là là. J'arrive pas à lire, c'est une mauvaise idée. Mais, un fond bleu, parce que du coup j'arrive pas à lire. Roulez les pieds. Merci. Et arrête de me toucher toi. Toi aussi. T'es un très mauvais boss. Merde. Oh là là. C'est bien parce que depuis que... Depuis la fin de Kumonger, donc où j'ai perdu une masse de temps. Et Daikana, c'est toi qui a bête de temps aussi sur Castlevania, je crois que t'as un 12 minutes aussi. Ouais, il a le meilleur. Ouais, voilà, c'est ça. Je me disais. Ouais, depuis la fin de mon Commander, en fait, mon prédictif n'arrête pas de s'améliorer. Bah, c'est vraiment de l'apprentissage. Gold sur gold, ouais. Sur gold. Mais ton prédictif, tu le compares contre tes golds. Ouais, mais j'ai fait plein de golds, du coup, mon prédictif s'améliore. Oui, mais tu peux faire un prédictif average ou un prédictif. Il y a plein de types de prédictifs. Ouais, mais là, c'est mon prédictif contre les golds. Hein. D'où ma question. Ce que je veux dire, c'est qu'en général, le prédictif contre les golds, plus t'avances dans une run, plus il... moins il est bon, quoi. Ah. Là, c'est l'inverse, depuis tout à l'heure, je l'améliore. Hein. Mm-hmm. Armario. C'est raté. Tu me donnes des infos au pif? Bah non, pas tant que ça. Ça m'aide donc c'est cool. Yes. De lâcher la dernière croix, ça aurait été cool. Salut, c'est Lucien quand même au chat. Je suis en race contre Senen, Tifa et KFR Legend. Et dans le chat, il y a LF qui dit des trucs et oui, bon bon. D'autres gens variés. Une sélection des plus modestes. Merci. Putain, j'ai eu le. L'armadillo. Tire bon, fait 16 tours non plus, mais. Voilà, avec ton os de merde là. Ah, mais en gros, t'es en train de me rattraper, Senen, c'est ça? Je sais pas, peut-être. Bah, j'ai commencé le 8ème boss. Quoi. Ok, bah, je me suis fini en 7ème. J'ai fini les Mavericks du coup. Nice. Je me suis fini en 7ème, donc je suis encore un peu derrière quand même. Ah merde. Mais je fais encore un gold. Nice. C'est quoi ton PB? 42-35. Mais là, ouais, en 6 speed, j'ai fait 5 gold, je crois. Non, 5 speed, j'en ai fait 2. Merde. Oh merde. Oh,
t'arrives à me faire toucher, sinon je vais prendre le seum. 1-2. Putain. C'est 1-2, j'en ai dit. Non, je touche pas. C'est un mec sympa. Voilà. 2 avec triangle. What? Mais tu joues à quel? Tu joues à un jeu d'énigmes ou quoi? Non, non, je. Je switch d'armes avec ma manette PS3. Ah! Comment va se dérouler le stream des 10 jeux ce soir? Alors c'est facile, on va lancer un stream et puis ensuite on va jouer aux 10 jeux. Tiens, c'est vraiment littéralement c'est ce qui est écrit sur la boîte quoi. Enfin, on va faire les 10 jeux à la suite sans s'arrêter, sans regarder derrière soi. Je serai juste avec Kouchas. Bah, bah alors. En stream et il y aura plein de gens qui feront ça à leur rythme. Il y aura des gens très rapides, il y a des gens qui ont mangé des pâtes en plein milieu. Ouais, ça sera cool. Je sais pas qui c'est mais je suis sûr que quelqu'un vient. Hop là. Ah je vais gagner du temps. Putain alors que je faisais un joli joli run full red. C'est dans quel sens déjà? C'est L triangle. Ouais je fais tellement Je crois que c'est L. Pouh. Ah non c'est bon, j'ai perdu temps quand même. Veil Skipsy. J'ai... Là je me sens bien. Je sais toujours pas si Vile vaut mieux le tuer au boule ou au missile. Au boule. Ouais mais c'est pas safe quoi. Bah oui mais c'est... Enfin, ça dépend quelle est ta question là. Oui, mais pour le temps c'est au boule. Si tu sais que c'est plus rapide au temps et que tu veux savoir l'espérance de gain de temps ou un truc comme ça, c'est une question. Je vais tester. C'est, je vais tester avec les boules. Ah non. Ah si. Tester avec les boules. Ah mais on peut bien le bourrer par contre. Waouh, ok, on va faire avec les boules à partir de maintenant. Ah bah on t'avait dit, tu ne crois pas. Parce que je pensais pas qu'il avait des frames d'invulnérables si nuls. Ah si si ouais, c'est pas... C'est... Oh non, vous êtes sérieux. Ça m'est jamais arrivé ça. Il y avait un peine before. Je suis mort au début de Sigma 1 parce que mon missile a décidé de partir pas du tout sur l'ennemi qu'il fallait quoi. Ah, merde. Du coup j'ai tiré autant de fois que d'habitude mais dans la ouais. Plus, ça veut dire. Alors, j'ai raté un cycle de boss spider mais c'est cool. Voilà, là tu l'as bien tué. Ça va être un peu pour ça. D'accord. Ok. Pourquoi tu montes? C'est un split dégueulasse mais c'est pas grave, on s'en contentera. Alors on va essayer de pas mourir comme hier, voilà. Salut Gonzo, salut Shiro. Mais non, les Shiro tu dis bonjour à Gonzo en fait. Non. Tu veux venir raconter des conneries sur le mumble monsieur Gonzo? Ah oui, Gonzo, ça tend. C'est bon. Il nous aime plus Gonzo. Bah si. Il me disait hier, voir comme ils aiment trop les runners de Google. J'ai eu un... Il m'a dit surtout le chamout. Un pingouin très sympa. Vous pouvez me lâcher de la vie, s'il vous plaît. J'ai un goal. J'envoie ça à quelle adresse? J'ai un goal split à Roundal, le pingouin me fait 0 dash. Ah putain, moi il m'en fait 6. Il en a fait un seul. Il m'en fait tout le temps. Ah GG, prends la vue. T'as déjà passé le Eagle de Roundal? Non, mais sur mon best segment. Ah, je me dis, putain, tu m'as vachement rattrapé. Parce que là, je suis justement contre le Eagle, c'est pour ça que je trouvais. J'ai pas l'impression de faire d'erreur, pour le moment je suis à 30 secondes de PB. Non, mais là t'es devant mon PB. Voilà, j'en ai une mort sur Q-Hunger, t'as deux morts sur Q-Hunger. Ça chaud. Gonzo confirme, il dit le chameau était à mort. Voilà. Par la même temps, ça te fait plaisir. Tout le monde aime le chameau. Mais je crois qu'on était tous d'accord. C'est bien. Tout le monde arrive dans l'idée et fait putain, comment je deviens pote de le chameau? Bah c'est simple, hein. Bah, moi, je vous fais mon adresse, vous en êtes. C'est le chameau, la seule raison pour laquelle t'as mis 2-3. Ouais, carrément. Ouais, vas-y, je te parle plus. Nous, on était tous. Ok, boss spider, moi. De façon évidente, sincère, et Senen, il arrive. Putain, c'est pas gentil, monsieur.
c'est l'Arsenal aussi quand même. Et du coup, bah, du coup t'es repassé dans le vert. Ouais c'est ça, ça m'étonne ouais, pas. De 7 secondes. Le pibi nul avec... Mais pourquoi les gens ils veulent que des gros pibis? C'est bah bon, parce que c'est nul. T'as un pibi de quelques secondes. Mais non c'est pas nul. Voilà, bien. Oh, dans quoi. Ok, bah random, pas sympa sur les patterns. Ouah, il me lâche pas. Là, je suis la grappe. Allez, on va voir le bon. C'est les gens. Oh, faut que je réussisse le Armadio skip. Oh merde. Eh oui. déjà... La strat safe. Non, pas la strat safe. Si. Ok, c'est bon. Alors, on met son point ici. Ok, c'est bon. Oui. Bon, là, je suis déjà à 4 de pingouin. Il va me battre. Oui, je veux. 5 glissades. Il y a pas de bourbif. Voilà. Le pingouin, 5 glissades. T'inquiète, je t'arrive pour battre tes 5 glissades parce que moi, mon pingouin, s'il fait pas moins de 5 glissades, c'est un jour de fête. Non, il a fait un saut à la con là. Tu essaies de perdre du temps partout? Bah non, pas du tout. Par contre, je constate que j'ai perdu du temps partout. Mais c'est pas grave. On fait pas que du speedrun pour faire des pibis, sinon on serait malheureux. Moi déjà, si je meurs pas sur Boss Spider, je suis content. Merde, putain, mais. Mais dégage, sale robot, putain, mais. Surtout que t'es un sale robot. Ouais, ça fait grave longtemps que j'ai pas joué. J'avoue, j'ai eu 2-3 semaines un peu difficiles là, donc j'ai dû laisser un peu tomber. J'ai profité de mon temps libre pour vous organiser des trucs plutôt. Je me suis dit que c'était oh du non, temps mieux investi. Spider. Et puis les gens m'ont tous dit que c'était de la merde alors. Je me tape un game over sur ce Je tape un game over sur ce main quoi. Oh là là. Ah bon, c'est oh non, non, non. Non, c'est plutôt triste, ouais. C'est pas grave. Là. Oh non, c'est un game over. La vieille plateforme qui bouge. Mais je crois que comme j'ai fait exactement la même connerie dans mon petit pis, c'est pas grave. Mais putain, je j'arrive contre Render. J'espère qu'il va pas me faire un contre-honneur. Rangda, c'est clairement le boss que j'ai testé le plus. Alors, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4, 1, 2, 3, 4. Ta gâchette. 1. 1, 2, 3, 4. Mais tu crames, oui. Oh putain. Ok, très bon Wanda. Ah, j'aurais dû compter les glissades parce que je crois qu'il m'en a fait 7. T'as pas un rom hack? Un rom hack? Ouais, un rom hack. Vu que t'as quand même pas trop de chance sur. De quitter, de faire un. Oh, je suis sauté. J'ai pris à peine de me mettre à 4 PV et de faire le Vile Skip alors que Vile est déjà mort. Du coup, maintenant pas j'ai mal. Plus PV. Pas mal quand même. Pas de la moitié. Oui, Armadio de skip ici. Putain, la strat des noobs, ça fond trop bien. Tu me diras ton split à Maverick Tank, tu frappes. D'accord, à Maverick Tank. Ah, bah les gens, ouais, les spectateurs ont l'air d'avoir adoré les 4 Dead, les joueurs aussi. Sauf le qui a un peu été déçu. Bah, moi, j'étais pas fan de la fin de la 4 Dead. De Mel West, moi que j'ai pas de. Non. Même ça faisait partie du jeu, c'était pas très fort. Ouais, de quoi? C'était la fin de tournoi, ça aurait pu être plus cool, tu vois, de pas tuer des mecs qui sont en noir et blanc, de pas. De quoi vous parlez? C'est vrai, vous avez pas aimé du coup? Si, si, j'ai aimé, j'ai trouvé ça cool, mais j'ai pas trouvé ça cool qu'il y ait pas de pénalité à foutre quelqu'un par terre. Ouais, ouais, c'était dur à compter en fait. Oui, non, mais ça, non, mais tout à fait, ça c'est certain. Ah putain. Mais c'est vrai que pouvoir mettre 8, c'était un je peu. Dis quand je split, si je
split à quel moment avec en FR fait, j'ai voulu faire une pénalité pour que les gens mouraient, toi tu perdais du temps. À moi. Mais j'ai pas trouvé de moyen intelligent de faire ça. J'ai pas de. Putain, 34, 34. Non, non, c'est pas grave. Mais 34 combien 34, 34. Oh, ça va. Je suis 10 secondes devant toi sur mon pibi. Ça fait un bon signal ou quoi? Ouais, il me. Ah non, 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 il a meilleur ami. Bon, j'ai pas de sub tank, hein. Faut que je pense que j'ai pas trop le droit à l'erreur. Je me souviens plus. J'ai un Sigma en. En 2-14. Oh, j'arrive contre. Ok. Bon, j'ai droit à 2 hits grand max. Je sais pas si je peux encore prendre un hit ou pas. Ah, qu'est-ce qu'il m'a fait? Mais Molo, calme-toi, Sigma. T'as complètement changé ton pattern. Non. Vous voulez pas faire de refaire du versus réalisme pour votre aide? Ah oui, si, volontiers, hein. Avec grand plaisir. Voilà. C'est quoi, avant de quoi? On en a pas pour très longtemps. C'est vrai que le versus réalisme, bah, c'est même ultra frais. Qu'est-ce que tu fais? Senen, il a pas compris qu'on faisait une race pour nourrir 7, pour s'amuser et tout. Ah si si, mais c'est juste que là le split Sigma m'a gavé et que je préfère arriver là justement. Okay. Mais du coup pour la race, ça n'allait pas m'amuser quoi. Du coup le next time que tu trash talk mes performances, je vais rigoler. Quand est-ce que tu trash talk tes performances? Ah je mais j'avais été un peu vexé sur le coup et puis je me suis dit non mais c'est Senen, je m'en fous. Mais Bah du coup, surtout sur Megaman. Fini. 36-45. Ah non. Du coup, ça t'empêche de me trash talk quel que soit le jeu. C'est PV, non? C'est un PV de 1 minute. De 1 minute? Je vais aller par-dessus ton PV et tout, je vais devoir l'écouter pour valider. Non, tu peux vérifier, je laisse la vidéo jusqu'au bout de VLC et y'a aucun souci. Tant que le. Un run legit, c'est si Flo VLC apparaît. Pardon. Oh, mais je devrais pas dire des trucs comme ça. Oh la méchanceté gratuite. Si, c'est rigolo. Mais fais-toi plaisir, il le mérite. Bon, allez, je vais. Oh putain, oui, j'ai mes 190 points. On a fait les nouvelles emotes et c'était mon objectif. On a proposé une emote Flo VLC. on y pensait. Ce serait trop drôle. Gwenol Plo. Gwenol Plo. Udix. Udix Gwen. Oh, voilà, on a le droit de rigoler maintenant de ça et plus jamais. Quoi? Wouah! Non, plus jamais en stream. Tu connais les running gags? Ouais, on est obligé. Ah putain, oui! Le fil rouge de l'UD. Ah, j'ai eu un Sigma très sympa dans la forme. Alors? Non, mais du coup, je suis. Qu'est-ce que je suis? Non, je suis con, j'étais pas assez loin. Non! J'ai raté le skip pour la première fois depuis. Oui, GG. Ah, je suis derrière KFR, Yo, non Gonzo. Yo Gonzo. Gonzo, comment ça va? Gonzo. Ça va et vous? Ça va et toi? Ça va. Quoi, t'as l'air fatigué? Non. Mais du coup, je sais pas si on sera 8 ici, donc il faut que tu fasses de la pub sur... Putain, il fait trop chaud. Sur le Discord. Allez. Allez. Salut Pretty Frenchman d'ailleurs. Quoi, vous allez faire un versus? Versus réalisme. Allez, je suis ok. Mais en même temps, toi, pas moi, le versus, ça va, le speedrun, je perds un peu plus. Mais non, mais on t'autorise pas parce que tu fais des piliers, t'es trop fort là. Wouah. À part ça. Mais non. En fait, je suis revenu vraiment sur mon avis, effectivement. J'ai essayé de défendre autant les 4 dead que se pouvait, mais je me suis rappelé de Hotline Miami et de mes réactions sur le jeu. Et du coup, voilà.
Et encore, j'avais pas de tournoi régulièrement à faire. Mais ça me donne envie de mettre Hotline Miami 2 pour l'ID4, comme ça vous allez regretter Left 4 Dead. Vous allez dire, mais non, non. C'est pas dit. Franchement, je préfère Hotline Miami 2 tous les jours à Left 4 Dead. Hein. Y'a de la grosse RNG dans Hotline Miami? Ah non, mais t'imagines même pas à quel point. Mais, ah ouais, non, mais c'est pire que dans Left 4 Dead. Honnêtement, c'est vraiment impossible. C'est même, c'est vraiment dégueulasse. J'ai jamais joué au jeu, du coup, je sais pas. Mais par contre, Hotline Miami 2, t'as des bugs aussi qui sont un peu aléatoires, et ça, ah oui, oui, bah c'est même les bugs, ils sont random. Non, non, mais c'est vraiment ça le problème, c'est les bugs. Non. Quand tu vas prendre un hit right travers un mur sans raison, tu vois. Et puis donc, voilà. Et certaines missions sont très longues, quoi, donc tu vas vraiment pas être content. Mais sinon, voilà, la RNG du jeu en soi, elle est, y en a un, mais elle est pas si horrible. Non, et les mecs qui te no-scope du bout de la map, quand même, faut arrêter de temps en temps, leur comportement est tellement random. Il y en a énormément, dans le speedrun, putain, c'est vraiment abusé, quoi. Mais évidemment, quand t'as 3000 heures sur le jeu, pardon. Non, juste du coup, qui est motivé pour le versus réalisme après pour savoir combien de joueurs il faut jouer? On a Chamou, Tifa. Chamou, Tifa. Je sais pas ce que c'est, donc. C'est dans combien de temps? C'est juste du versus, c'est du versus normal. Vous êtes pas en train de faire une race Game Man? Si, si, on finit. Ouais, c'est fini. C'est quasiment fini. Par élève, je sais pas ce que vous êtes en train de faire. Je devrais. Ouais, moi je fais du Castlevania, mais je sais pas. Non mais tranquille, je t'en veux pas, t'inquiète pas. Mais tu vas voir le versus réalisme, c'est rigolo. Ouais, c'est vraiment fun, ça corrige. C'est beaucoup plus fun que le versus normal. T'es le versus en RNG? Non, non, en fait c'est quoi, en gros, tu vois pas, quand t'es un survivant, tu vois pas les auras de tes alliés, donc si quelqu'un tombe à terre, faut que tu le retrouves et non pas que tu le vois. Faut aller le voir. Il faut vraiment communiquer du coup, et c'est vraiment sympa. J'ai l'impression qu'il y a plus de zombies aussi. Mais après c'est peut-être juste une impression. Les zombies font plus de dégâts, ouais. Ouais, les zombies font deux fois plus de dégâts. Par contre, quand t'es infecté, t'as plus d'avantages qu'un truc normal. Parce que donc, le fait que les survivants puissent pas se voir entre eux. C'est des fois c'est un peu chaud. Donc, Senen, t'es motivé? Non. Oh, ouais. Si tu trouves quelqu'un d'autre, non, ça va. Si tu trouves quelqu'un d'autre, oui, je suis motivé. Le hashtag la logique. Je suis convaincu qu'il y a des gens qui sont carrément plus motivés que moi, quoi. La mort du fun. Putain, ça aurait été une 5 minutes de retard. Ouais, c'est un peu la mort du fun, hein. Oh, je suis pas d'accord avec toi, mais... T'as fini, toi? Non, non, pas encore. Donc, elle c'est du Derust. Ouais, compte-moi, c'est à quelle heure? Mais c'est pas du Derust très efficace de faire. Bah, non, pas trop longtemps, là, mais t'as le temps de finir ce que tu fais. Ouais, bah écoute, je viens d'avoir Frankenstein à la dague, je sais pas comment j'ai fait. Okay. Alors, les premières fois que tu le fais, c'est facile, Frankenstein à la dague, et puis après, tu pourras plus jamais de ta vie. Donc tu l'as fait une fois, tu pourras plus jamais. Ça me rassure. Oh là là. Parce que moi, les premières fois où je suis tombé, la race contre Dorian, je l'ai fait à la hache et tout, j'étais comme un fou, tu vois. Ouais. Et puis j'ai plus jamais pu. Voilà, c'était fini. À la hache, c'est vraiment tendu à la dague. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui disent que c'est une backup possible si jamais t'as un drop d'armes de merde. Bah d'accord, ouais, mais à la dague je commence à comprendre le pattern et tout. En fait le bossu, une fois que tu commences à bien piger le truc, je pense que c'est humainement possible de faire quelque chose, quoi. Ah, de toute façon c'est humainement possible, hein. Y a des mecs qui le font vraiment très bien, hein, mais Non, mais je fais le speedrun à l'arrache de chez Arrache, mais à terme, je vais m'entraîner pour les backups, comme tous les jeux d'ailleurs. Oh non, mais ça me dégoûte. Bon, en tout cas...